on y va, monsieur. Allez, gars, allez, allez. Allez, allez. Watch it!
on a encore perdu. Ouais. Septième défaite, mais je dirais avec un petit bémol quand même, on a eu quand même un beau jeu Castonnetois aujourd'hui. Ouais, on a vu un beau jeu, c'est sûr que si on fait tous les matchs comme ça, ça nous laisse un peu d'espoir, mais le problème c'est que tant pis, j'aurais préféré qu'on joue un peu moins, c'est qu'on ait les 4 points de la victoire pour les joueurs, ça va devenir difficile. Quoi. Ils ont pas été récompensés de leur effort, il nous a manqué 5 minutes, on n'a pas à rougir de notre match. Quoi. On a fait ce qu'il fallait, on a manqué un peu dans la zone de vérité, un peu de percussion. Mais... Alors, prochain match à Mazamé, comment tu envisages la suite du championnat maintenant? Ça va être difficile, hein. J'avais dit aux joueurs avant, et on a, au mois de janvier, on a dans 2 matchs. Il fallait prendre au moins un nul et une victoire sur les 2 matchs qu'on avait avant la trêve. Parce qu'en janvier, on reçoit 2 concurrents directs pour le maintien qui seront Balma et Espalion, ce qui se passait d'ici là. Tapis, on va essayer d'aller faire une opération commando, d'aller chercher 4 points à Mazamé pour terminer avant la trêve sur une bonne note. Et après, de toute façon, comme j'ai dit aux joueurs, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, il faut se lâcher, jouer, et puis à force, on y arrivera. Mais c'est dur moralement. Quoi, hein.